Cette fois-ci, nous allons voir comment remplir le cahier de texte et le copier. Si par exemple j'ai deux classes de même niveau avec qui je poursuis la même progression à quelque chose près. Et nous verrons aussi comment remplir les éléments du programme travaillé. Alors, par exemple, je vais aller ici sur cette classe pour remplir, donc saisir le cahier de texte. Donc ici, je vais mettre un titre. Je sais pas, badminton, séance 9. Là, blablabla, nanana. Si par exemple j'avais mis un lien internet, vous cliquez ici pour mettre par exemple un nouveau lien internet. Donc, par exemple, bon là j'en ai pas, mais bon, c'est ici pour mettre les liens internet. Donc ici, je mettais encore hop, tout ce que j'avais fait dans ma séance. Et ici, vous avez un petit crayon élément du programme travaillé. Donc on clique dessus et vont apparaître donc les éléments du cycle 4. Là, c'est une classe donc de troisième, donc qui appartient au cycle 4. Si j'avais eu une classe de sixième ici, on aurait eu donc le cycle 3. Donc là, c'est bien le cycle 4 en EPS, donc le programme officiel. Et donc, je peux cliquer sur les différents éléments qui ont été abordés ce jour en classe. Donc, on va mettre, je ne sais pas, communiquer des intentions et utiliser ça. J'ai travaillé ceci. Alors, pourquoi c'est utile de le mettre? À la fois pour enseigner l'élève, les parents, et aussi parce que ça va être conservé pour le bulletin. Et donc, quand je vais arriver en fin de cycle, de trimestre, dans un premier temps, pour remplir donc le bilan périodique, il va apparaître le nombre d'occurrences. Vous avez par exemple dans le trimestre travaillé, communiqué des intentions et des émotions. Voilà, là vous voyez, cet élément a été travaillé dans zéro cours pendant et zéro fois dans l'année scolaire. Alors que si je clique à plusieurs reprises, on va voir qu'il est travaillé plusieurs fois. Et donc à la fin du trimestre, c'est pratique d'avoir cette information-là. Donc là, je vais valider. Voilà. Donc là, on dit, voilà, c'est fini pour cette classe-là. J'enregistre ici. Et maintenant, j'ai fait exactement la même chose avec ma troisième D. Donc, je me remets là. Je fais un clic. Donc, j'ai fait un clic droit. Je fais copier le cahier texte. Je reviens ici sur ma troisième D. Je fais de nouveau un clic droit. Alors, normalement, c'est un peu plus rapide. Et je fais coller le cahier de texte. Donc là, on voit qu'il vient d'être collé. Il a également collé les éléments du programme travaillé. J'ai plus qu'à enregistrer. Et c'est terminé. Voilà, maintenant, je vais supprimer tout ça puisque je ne l'ai pas réellement fait. Merci!